migration, corruption, discrimination et mafia qui gagne en question des affaires vendre visa, mettez confusion pirate dans le peuple dominicain après installation nouveau directeur général migration. Je n'ai pas besoin de nous, nous déjà compte qui est. Leonel Fernandez se pète bataille avec Luis Rodolfo Abinadel. C'est un ancien président avec un nouveau président. C'est même ce président avec président qui a réglé l'affaire. Toujours pour dossier haïtien. Cause irrégularité et manque de cohérence dans la politique migratoire gouvernement Abinadel. Bonne nouvelle, ex-président de la République Dominicana, Leonel Fernandez, dénoncé gouvernement Abinadel la mafia avec abus sur migrants haïtiens. L'ex-président Leonel Fernandez dénonce que existe une falta de cohérence en l'application de las políticas migratorias por parte del gobierno de Luis Abinadel, principalement en la gestion de la frontera y la emisión de visas a ciudadanos haitianos, indicando que esa situación pone en riesgo la soberanía nacional. Chaque monde qui a un petit bagage, mes amis, a pour lui faire soberanía nacional. Leonel Fernandez indiquait que situation ça a metté en question risque souveraineté nationale là. Leonel Fernandez était retourné sous plainte listing d'Alioa sous existence yon marché noir en Haïti pour acheter visa dominicain. Yon bagay que gouvernement Luis Abinadel là poko jam clarifié que a hecho el gobierno respecto de esa denuncia. Questionó haciendo un llamado a las autoridades para que investiguen y tomen medidas. Ancien président dominicain Leonel Fernandez a dénoncé que gagnon manque et cohérence dans application politique immigration par gouvernement Luis Abinadel là, surtout dans gestion frontière avec émission visa. Yobay ak citoyen haïtien li indiqué Pabriem di nou Yobay Leonel dénoncé déjà ki Yobay 400 000 visas avec haïtien en cachette que nous ministre affaires étrangères dominicain te déjà vinn parler pour le dire c'est pas vrai pour année 2024 là Yobay jam bay visa c'est même dossier ça que haïtien malfois besoin tromper vigilance que l'autre haïtien yo même yo fait connait que c'est apito di yo pas bay visa mais c'est pas di yo pas bay visa c'est camper yo fait connait c'est expliquer plutôt que c'est répondre littéralement répond Leonel, ministre des Affaires étrangères dominicain, répond Leonel Fernandez, ancien président, pour lui dire que c'est menti que Leonel a fait parce que yo pas jamais bail visa avec haïtien pour l'année 2024 là. OK? Un haïtien qui te donne visa pour 2024 là dit visa touriste lui dit, mais on a gagné l'autre visa mais visa touriste. Il indique que situation ça a metté en question risque souveraineté nationale là. C'est ni une enquête côté on va ouvrir ni une enquête pas jamais mener pour capable connait si c'est vrai ou bien si c'est pas vrai. Pendant le gouvernement pas voulait ouvrir service frontalier et puis visa avant en cachette. Attendez bien mes amis. Moi t'attendais en pile monde t'a parlé cause moi t'ai bail nouvelle là comme si c'est moi qui a créé sensation. Restez connecté. M'a venir pour me ba nous plus détails sur ça. OK? Me faut émission moi y a parlé comme si c'est moi qui a créé sensation. Nous penser m'a jamais venir ba nous mentir. Allez Leonel qui a parlé là. Il a dénoncé encore l'irrégularité qui gagne dans le dossier ça. Abonnez avec la plateforme, je vais retourner pour nous donner plus de détails dans un petit temps. C'est important. Un groupe d'organisation dans la République Dominicana a annoncé qu'il va faire une marche contre migrants haïtiens sur le territoire national dominicana pour forcer le nouveau directeur général de la migration, Raphaël Libadjestel, pour être capable de continuer à mettre les migrants haïtiens dehors. Une marche qui est déjà annoncée qui va le faire dans la ville de Santiago de los Caballeros, même gens avec le district national. Il y a quelques côtés qui sont déjà programmés pour ça, bien qu'il n'y a pas vraiment probable parce que dans la capitale, il n'y a pas vraiment de marche après et haïtiens qui va le faire devant le palais national. National, nous sommes un groupe anti-haïtien qui a essayé de faire face carré ensemble avec ça. Nous avons eu plus de détails. Toujours une opportunité pour les migrants haïtiens qui sont légaux sur le territoire national dominicain, capable d'avoir un statut légal pour capable rester. Ou même qui déjà dans le plan des gens capables d'entrer maintenant, petit tout, marre ou la donne tout pour capable d'avoir un petit canet temporaire de travail pour capable rester. Et même j'ai un visa qui expire pendant un problème diplomatique, un visa pour qu'on restable dans la République dominicaine, capable de solliciter admission. Ça capable de permettre de venir rester légal. Petit canot là, c'est l'expire pour un passeport capable de renouveler, ni sans passeport, ni avec passeport qui expire. Comme ça, on est capable de rester légal sous sol dominicain.
dominicain, mon besoin un bon avocat qui pourrait sous pas gagne capable contacter multiservice là, dans numéro ça c'est 809 981 5108, c'est pas numéro PAM 809 941 5108, ou pas besoin mandé pour moi, c'est pas numéro PAM, y a PDO, y a capable ba ou service ou mettre faire confiance. M'a retourner pour nous ba ou plus détails dans un petit temps. Abonnez à la plateforme là. Saludo, bienvenido a todos, especialmente fanatiques de GM Migration Info Creolio. Déjà salut nous, monsieur de nous encore bienvenue. Toujours abonné avec plateforme ça et puis quittez un petit commentaire pour dire qui côté ou attendez nous. Ça fait nous plaisir. Les nous abonnés 120, c'est seul cadeau nous capable de faire un cadeau. Abonnez et puis partagez du émission nous tout côté. Discrimination et migration raciste qui complique la vie migrant haïtien sur le territoire national dominicain côté en pile dominicain qui vient couler pour noyau a passé en pile mauvais moment en bas mais agent migration qui complique la vie migrant haïtien yo ça qui cause en pile et gouvernement dominicain pas voulait vendre un visa avec haïtien cependant yo continue à vendre un visa en cachette et ça vient cause gros après nous connaître gagné sénateur Lorenzo Elias Pinas là Ibang Lorenzo qui dénonce action ça yo connait assez ancien président dominicain Leonel Fernandez qui commençait à dénoncer genre des actions sérieuses qui mettaient en pile et qui cause chirépite entre le président Luis Abinadel avec ancien président qui c'est Leonel Fernandez à cause de façon à maltraiter les migrants haïtiens et avec irrégularité qui gagne nos politiques migratoires et qui gagne dans le gouvernement Luis Rodolfo Abinadel là bien qu'il y ait un nouveau directeur général de migration qui nous met mais ça pas montré qu'il y a un bagage qui pourrait changer que Aboussa haïtien avec discrimination qui gagne c'est seulement ça qui parle et dans la question de chirépite ça qui cause en pile de discussion après contact qui est passé entre Leonel Fernandez ensemble avec ancien qui était attaqué pouvoir et ministre des Affaires étrangères dominicain après l'attaquer Leonel Fernandez pour le démentir quand Leonel a été annoncé fait qu'on est que gouvernement bail 400 000 visas en cachette avec migrants haïtiens et gouvernement ministre des Affaires étrangères après paraître pour le dire non c'est pas vrai pour année 2024 là il faut que j'en bail visa ensemble à visa touriste avec haïtiens après visa qui était bail pour question des aliments question et alimentaire relations commerciales tout ça etc. Et tout de suite, gouverneur Leonel Fernandez va répondre encore pour le compliquer bagaille. Leonel t'a pas répondre Jean Noël que me dessous dit là, m'a répondre pour nous encore. Leonel Fernandez a parlé encore sur dossier ça. Côté ex-président Leonel Fernandez a dénoncé que existait une falta de cohérence en la application de las políticas migratorias por parte del gobierno de Luis Abinadel, principalmente en la gestión de la frontera y la emisión de visas ciudadanos haitianos, indicando que esa situación pone en riesgo a la soberanía nacional. Jean Iván Lorenzo, como toujours, dénoncé la. Et ça qui paraît vraiment compliqué et mon yo poko Jean Blequel et malgré tout ça yo gien en pile annonce dénonciation qui fait mais gouvernement poko Jean baille lumière sous ça pas jamais clarifier sous ça Abinadel fait comme s'il pas attendait ancien président Leonel Fernandez dénoncé que gien manque cohérence dans application politique migration par gouvernement migration côté gouvernement Luis Abinadel là surtout dans gestion frontière côté gien groupe mafia sous frontière dominico haïtien noir et principalement Kishita en dans consul yo et pour vendre un visa avec citoyen haïtien, il indiquait que situation ça mettait en question risque sous souveraineté nationale. Là, on a obligé à poser des questions sur ça parce que Mounio a vendu un visa en cachette. Et c'est un groupe mafia qui a vendu un visa. Mes amis, nous sommes bouqués par les sous ça. Côté Mounio a payé visa prix, l'IPAVO, c'est cause de bagaille ça. À travers un fil affiché sous lit. Entre 265 000 et plus de 330 000 personnes qui mettaient en question la capacité du gouvernement et pour offrir une explication crédible. Et jusqu'à présent, le gouvernement Abinadel a fait la soude d'oreille. Il n'y a pas jamais voulu réagir, jamais dit rien. Qui j'ai autorité qui a expliqué lui. Ça, c'est ça le mandat. Il dit qui j'ai autorité qui a expliqué lui. De si gérer que tu as une irrégularité dans le contrôle immigration. Bon, je ne sais pas si c'est espagnol, créole, moyen qui pas trop bon. Qui fait nous pas comprendre ni parce que m'pa vle pour moun faire même bagay la vinn di ça m'pa di m'ap di en espagnol encore tendez bien question posia tendez bien que a hecho el gobierno respecto de esa denuncia
cuestionó haciendo un llamado a las autoridades para que investiguen y tomen medidas? No. Ça, c'est ça, l'idée, m'obligé, redis le même genre pour nous, parce que quand l'espagnol n'est pas trop bon, pour le monde qui tendait les parler et puis qui dit pas ça, me dit l'autre bagaille. Qui ça, gouvernement, fait concernant plein de ça? Ça, ça, ça veut dire en créole. Il a demandé aux autorités pour mener enquête et puis pour question, un métier en question. Est-ce qu'ils ont fait ça? Yo? Pièce parfaite. Ça, c'est ça. Et lui-même, président et dominicain, ancien président dominicain, t'as capable de dire nous qui c'est. Monsieur Leonel Fernandez lui était parlé dans dossier ça qui vraiment paraît compliqué et m'a dit pour le gouvernement Abinadel là. Bon, allez bien. Bataille qui gagne entre Leonel Fernandez avec Abinadel là, c'est une bataille pouvoir et une bataille politique liée. Une bataille politique. Pour le gouvernement Abinadel là, depuis le moment où le canal haïtien a construit depuis un moment ça, il n'a pas jamais visa ça. Cause en plus haïtien qui a passeport et qui a plus passé année dans le consul à prendre visa pour qu'à joindre, il a demandé, il est obligé de faire agence remettre. Pas oublier de dire ça pour tout le monde qui baille, monde mettez visa pour nous. Si nous avons agence pour qu'on ait un visa, d'abord nous connaissons pas un visa. Si nous avons besoin de passeport ou de documents, demandez à l'agence pour qu'on ait. Mais pas quitter moun ka fait tête nou chou ka ban nou menti ka di c'est Abinadel qui kembe pour qui kembe passeport c'est gouvernement qui kembe passeport et pas prendre m'apprend pour gouvernement mais c'est pas gouvernement qui kembe passeport attendez passeport nous nou ka venir c'est pas consul qui kembe yo allemande moun ou te bay mettre visa pour di le baoul la baoul mais si ou konn un grand goût gen besoin l'argent ou pas besoin mande le passeport pas capable pas besoin l'argent pour baou parce que l'ou bay mettre li payer et payer au pays mais des visas pour il a remettre tout l'argent et remettre tout passeport mais pas remettre tout l'argent est-ce que mon n'a pas remettre tout l'argent dans poche non il pas remettre tout c'est résident tant les visa pour carré visa ou bien parler avec mon n'a dit remettre tout passeport pour jeune mais pas quitter de tout le monde des bien fanatiquement hier ici là ou pas quitter monde qui a nous menti qui a dit que c'est Abinadel qui a bien passeport moi pile mon a fait commentaire a dit oh oui DGM parler avec Mounio parce avec Abinadel qui kembe passeport Mounio. Abinadel pas kembe passeport moun. Abinadel pas bay visa, pero kembe passeport moun non Abinadel pouvoir et pouvoir pas kembe passeport moun. Pouvoir pas kembe passeport moun, pouvoir pas gen passeport ambassadeur consulio pas gen passeport haïtien nan men yo. Yo depuis agent sou te bay li a mettre le pouvoir bien moun nan dil baoul la baoul. Pas fait le baoul, quitte le perdit dit Abinadel. Ou perdit le net. Il y a des gens qui ont besoin de recevoir un petit transfert. Qui t'a aimé faire l'autre point, vous jetez l'autre pays, vous n'êtes pas capable. Parce que vous n'êtes pas prêt, vous dites que c'est Abinadel. Ok, moi tout est vrai, faites-y parler ensemble avec nous. Tout ça. Et dossier visa, pas de visa. Dossier visa, vous devez prendre décision pour être capable de bailler visa vraiment. Alors, vous n'avez pas une décision. Et c'est une hypothèse. Mais jusqu'à présent, vous connaissez si vous êtes capable de bailler parce que. Après, le président Leonel Fernandez, ancien président, fin dénoncer ça. Nous sommes en tac au tac qui gagne plutôt. Et même à ICOM, tu es même à l'attaquer ministre des Affaires étrangères haïtien Dominique Dupuis pour faire connaître cet ali même qui t'a même causé ça, cause déclaration yo, après le soutien des Nations Unies. Mais qui n'a pas gagné mal vraiment dans la déclaration, qui n'a pas gagné rapport avec ça, mon yo, à penser ni pour yo acquiser là. Tendez bien, ça, nous devons nous connaître. Très bien, donc c'était ça. Pour continuer ensemble avec un dossier migration et discrimination pour les gens qui ont couleur peau noire sous le territoire national dominicain, continuer à faire et à bailler problème. Et c'est ça que fait Leonel Fernandez, ça te parlait de irrégularité qui gagne sous le territoire national dominicain. Dossier ça qui continue à compliquer la vie migrant haïtien. Et ça même cause après la présence du nouveau directeur général de migration. Non, nous pensons que les choses ont une amélioration, et surtout pour entrepreneurs dominicains, mais semblait pas avoir un changement vraiment. Ça pousse pour moun yo capable tande moun ki anti haïtien yo besoin pour yo capable tande et pour nouveau directeur général migration nan capable tande yo après discours te fait qu'il te fin parler que le pral appliquer sa président Abinadel a besoin et non seulement ça il était tout profiter pour dire agent migration yo qui pas capable suivre service ça pas capable respecter ordonnance yo c'est pour yo démissionner depuis yo pas capable c'est pour yo tout démissionner pour yo pas faire partie bateau encore tout jeter koyo raler koyo en dedans bateau. Parce que c'est bateau et pas traîneau. Bateau, nous avons une quantité de bateau capoté, mes amis. Ça veut dire nous avons un qui s'accroît le gain.
organisation Ndoualtiano commence à lever voyo pour être capable et plusieurs et pas seulement organisation Ndoualtiano institut Ndoualtiano ligue organisation Antigua Holding et qui c'est une organisation qui a un groupe monde noué qui toujours habillé en noyau qui pas les migrants haïtiens yo monde ça yo même qui prend l'autre ligne et pour continuer manifester pour migrants haïtiens qui sont sur le territoire national dominicanais, qui n'ont pas voulu être haïtiens, si là, ils ont levé voix pour le gouvernement et capable de prendre décision. Si Abinadel ligue quand sont vraiment, c'est pour le démissionner parce qu'il n'est pas capable. Et ils ont tout profité pour le nouveau directeur général de la migration, non, et Raphaël, Louis Raphaël Libagestel, capable de prendre l'autre, lui-même, il faut l'accepter et pour continuer à déporter migrants haïtiens. Yo. Et même Jean l'a annoncé qu'il a continué ensemble avec policier national Fulsas Armadas et même ministre public l'a demandé pour action publique capable d'accompagner dans l'opérateur qui va le faire contre migrants haïtiens sur territoire national dominicain. Action ça qui continue à aller dans une autre façon sur territoire national dominicain qui va empêcher que l'organisation ça déjà mette et lancer une manifestation qui va le faire dans jour cabine Layo dans ville Santiago de los Caballeros et dans même Grand Santo Domingo et quelque l'autre côté dans pays a toujours massayo qui c'est pour capable d'objectif pour capable repousser migrants haïtiens semblait c'est tout bon mes amis bagarre pas facile pour haïtiens mais pas fait que nous sauter c'est moi même pour nous suivre si c'est moi n'a suivre pas quitter pour faire que nous sauter moi même moi pas créer sensation et me pas ba nous mentir m'a vinn di nous bagarre l'agent ya au monde voulait tendre tendre moi pas parler dans des pas tendre même pas vinn ba mentir m'pa vinn ba mentir pour me faire views j'en moi quelque mon a dit m'a vinn di nous bagarre l'agent ya pour nous ca connaître parce que c'est besoin pour nous connaître pour nous capable faire prudent pour nous ca informer pour nous connaître qui ça pour nous faire tout pour nous capable être légal. Et puis pour processus légalisation sur territoire national dominicain, il y a un processus vraiment pour petit haïtien yo, mais ça va empêcher pour me dire nous processus et qui gen là pour moun qui illégal yo capable solliciter admission non, moun qui capable débourger même carte électorale ou café admission, il y a un processus ça libéral camper, li prévoit camper après nous connaît chaque nouveau directeur qui rentre, il a toujours changé bagaille. Bien que nouveau directeur a dit l'a continuer bagaille Jean Benancio Alcantara la balle c'était qu'on fait là et puis l'a amélioré quelques bagaille là-dedans, c'est ça le dit dans discours mais nous pas connaît parce qu'on capable les anglais si a été là, il était chan, il était commencé à un processus pour bailler permanence à frontière so, avec moun ka vin sous frontière bailler au papier et bien nous ouais gouvernement et kou citoyen ça apparaît dans tête direction générale d'immigration qui c'est Benancio Alcantara il était éliminé processus ça et bien processus ça qui est bloqué pas jamais continuer mais kou li a gon l'autre directeur immigration qui vient encore nous pas connait est-ce qu'il a continué avec processus là ou bien est-ce que l'a continué tout avec processus admission processus admission est toujours là mais il devine plus il était fermé il devine pour plus semblé à partir de 2022 sous gouvernement 2023 pardon oui 2022 sous gouvernement et sous moment dirigé Benancio Alcantara nous pas connait s'il pas pral bloquer tout sous monsieur Badjestel. Bonne nouvelle pour migrants haïtiens qui illégal sur le territoire national dominicain, toujours une opportunité pour capable venir légal sur illégal. Premièrement, si on déjà dans plan ou capable entrer ni madame ou ni mari ou ni petit ou bien maman papa la donne pour capable permettre même un statut légal tout pour être sur territoire national dominicain légal pour suspendre courir devant agent migration yo. Ça aller plus loin toujours ou même qui gagne visa expiré ou bien ou pas de jambe visa mais dès pour gagne ni passeport ou gagne passeport ou bien carte électorale ou capable solliciter admission qui importance qui gagne importance qui gagne lors solliciter admission là ou vinn gagne un reçu dans mon reçu ça li capable permettre ou rete malgré migration capable toujours pour yon déporter mais en pile monde jeune privilège pour pas déporter parce que dès pour gitan fait admission c'est que ou en dans système migration là dans République Dominicaine même sous pas jeune papier jodi ou pas jeune ni demain mais on jeune ni quand même parce que ou la donne mais faut nous toujours checker ti papier nous parce que yo konn rechasser ou le rechasser pour connait qui ça pour faire pour capable jeune moun ki gen document ki retire sa yo toujours contacter yo avocat sou pa gen nou pral ba ou numéro multi service sa ki capable aider ensemble avec pour capable résoudre problème moi très facile bien facile mais c'est pas bagaille gratis yo même ça avec moun ki ti canéa ki poko renouveler parce que gen problème passeport ou gen accès pour capable renouveler sans passeport ou bien avec passeport qui expiré mais ça va veut dire ki yo pral ba oul mais faut dégager ou fait passeport pour capable joindre ni. Et ou même tu déjà renouvelé ti carnet ou pour capable joine ou pas besoin perdre temps ni al bay booster qu'on y en mettant parce que yo pral baoul ouais moun yo poko rele yo pral rele nous mettre fait ti poser pas besoin en bay tête ton problème parce que déjà renouvelé carnet ou là pas dépenser l'argent pour booster ou mettre poser oui souvent capable booster pour plus rapide mon mettre temps pas gain pièce problème moi bien papier ou capable contacter multi service dans numéro ça sous pas gain moun qui pour aider ou capable contacter dans 809 9510 08 809 941 5108 contacter dans numéro ça qu'on y a dit c'est Rodolfo
qui référer conseil capable fond discount topo. Mais c'est pas bagaille gratis, si c'est bagaille gratis on besoin ou pas besoin écrire. Salutations avec un pile l'amour spécialement pour toute fanatique de gens migration info créole monde qui toujours a suivi l'émission ça depuis longtemps mais qui toujours abonné avec qui commenter qui toujours bah nombre encouragement et qui toujours encourager nous pour continuer faire travail ça qui n'a faire nous dit merci malgré nous pour capable nous pas citer non dans commentaire pour nous saluer aux gens qui ont fait c'est parce que nous font façon pour nous capable faire émission plus rapide pour vous mais nous pas oublier ça vraiment fait nous plaisir je ne vois pas abonner la plateforme n'a pas de continuer abonner avec et ou même qui fait quand suivre nous pour première fois abonner avec et puis partager vidéo émission pas oublier nous par contre baï menti ici à nous là pour nous dire bagarre la jeune y a informé pour capable connait nous pas dans voyer monter et tant pis continuez à abonner avec pour nous capable arriver 50 000 abonnés avant même que moi ça fini toujours fait ça c'était zami nous Rodolfo Jiménez pour DGM Migration Info Créole gardez dans description émission ou après le canal WhatsApp là sous t'avez abonné avec groupe WhatsApp là ou bien groupe et Telegram là ou après dans description vidéo ça cliquez sur l'icône abonnez avec et puis chaque fois qu'on a une vidéo il y a un bagage qui n'est pas qu'à poster là n'a posté le sous ou capable d'informer avant même à ça la prochaine